Bienvenue dans mon cabinet de voyance, Anna Voyance. Alors non, restez derrière la porte par contre parce que ne dites même rien. Je vais tout de suite essayer de vous éblouir, de vous mettre en confiance en devinant votre prénom. Alors attendez, laissez-moi me concentrer. De bien vouloir couper le jeu de cartes. Voilà. Et vous me donnez, oui, cette partie-là. Très bien. Alors concentrez-vous bien. C'est vraiment important que vous rentriez bien à l'intérieur de vous-même. Respirez. Pour que je puisse lire en vous, comme dans un livre. Je
J'ai besoin d'avoir déjà une deuxième carte. Divorcé. Bon, là.
malheureusement, ça va diminuer. C'est-à-dire que ça va pas rester l'amour fou très longtemps. Cet amour va petit à petit s'étioler. Et vous allez certainement moins aimer la personne. C'est intéressant, hein, ça commence à prendre forme. Alors on va continuer pour voir un petit peu ce qui va se passer ensuite. Donc toujours un chiffre entre 1 et 10. Prendriez le 2. D'accord. Ah oui, alors là, évidemment, on retombe sur les fameux problèmes. Donc là, je pense que soit il y a un décès dans votre famille, soit il se passe vraiment des choses très très graves. Peut-être déjà décidé, non, en tête ou... Moi, je pense que là, on est quand même sur des problèmes lourds. 8 de pique, c'est pas rien. Moi, si je me concentre un peu, je pense que c'est la mort de quelqu'un autour de vous. Mais bon, je peux pas non plus vous dire qui, hein. Je peux pas non plus à ce point doué. Alors, on continue. 5. Sur internet.
Parce que je vois que votre
aviez mis. Voilà, à votre partenaire, parce que là. Bah oui, tout à l'heure, effectivement, je sais que vous avez envoyé ce SMS parce que je vous avais dit de tout de suite tout arrêter. Mais vous n'étiez pas concentré sur le jeu et vous ne m'avez pas fait confiance. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, essayez de vous excuser, de lui dire que tout est bon. Là, moi, je vois beaucoup d'amour. Je pense que vous êtes avec la bonne personne, entouré des bons amis. Moi, je vois beaucoup de prospérité. Je crois que vous avez en tête de monter votre business. Allez-y, lancez-vous parce que là, la vie vous ouvre ses bras, vous accueille à bras ouverts pour tout ce que vous souhaitez initier, tous les projets que vous souhaitez démarrer, franchement. Là, vraiment, j'ai l'impression que tout va vous réussir. La vie vous sourit. Souriez à la vie, s'il vous plaît, parce que vous allez avoir une vie incroyable. Là, vraiment, je suis même vraiment étonnée d'avoir pu vous rencontrer, honorée de me dire que je rencontre quelqu'un qui va certainement marquer l'histoire, marquer le monde, l'univers. Moi, je pense que peut-être même vous allez marcher sur Mars, aller sur la Lune. Vous allez peut-être être la première personne à vivre sur Mars. Et peut-être même y créer une ville, tout un nouvel univers. Je pense que vous allez peut-être même révolutionner l'informatique, nous faire des découvertes géniales qui vont vous rendre super riche. Je pense que vous allez habiter un énorme château avec deux grands chiens de garde devant, des belles plantes autour d'un immense escalier qui monte comme cela. On arriverait dans une grande salle de réception avec du parquet au sol, des miroirs sur les côtés, mais également au plafond. Vraiment de très belles sculptures grecques anciennes, des tableaux de maîtres au mur, des lustres sublimes faits de cristaux Swarovski reflétant la lumière d'une manière majestueuse. Enfin voilà, je m'emporte un peu, mais moi je vois tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois tout ça, je vous promets. Donc là, ça va être une vie de dingue. Ça va être canon. Vous avez une chance incroyable. Donc vraiment, écoutez, moi je suis ravie pour vous. Je pense que vous avez bien fait de venir me voir. Ah bah c'est incroyable. 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 J'ai rarement des gens à qui la vie sourit autant. Oui, c'est sûr que c'est un peu un pronostic différent du début, mais je crois que là vous êtes bien concentré sur les cartes. Vous m'avez bien fait confiance et ça marche quoi. Ça marche. N'hésitez pas à me recommander à vos amis. Voilà, exactement. N'hésitez pas. J'ai une chaîne YouTube où je fais des lives de voyance. Donc vous pouvez vous abonner aussi. Je réponds comme ça aux appels et je me filme en même temps. Exactement. Voilà, c'est un peu la voyance moderne, j'ai envie de dire. Moi aussi, je suis créatrice, innovante. Ben, j'espère en tout cas que cette séance de voyance vous aura plu. Alors en fait, j'ajuste le tarif en fonction de ce que j'ai vu dans les cartes. Donc c'est vrai que quand c'est du négatif, bon, je vais pas en rajouter. Je vais pas non plus vous demander de me payer la séance avec un prix élevé. Par contre, c'est vrai que quand il y a du positif, bon bah là, voilà, je pense que vous pouvez me remercier en me donnant un billet assez conséquent. Bon, je vous laisse choisir, hein. C'est quand même vous. Non, j'ai pas de tarif prédéfini. Je vous laisse un petit peu défini en fonction de votre humeur, comment vous vous sentez, à quel point vous avez cru aussi à ma prédiction, bien sûr. Et je vous laisse me mettre le billet que vous souhaitez, voilà, sur la table ici. Très bien.
plus sur plus de détails, je dirais, de votre vie. Ce sera avec grand plaisir.